Mon cher Thibaut R, je ne répondrai pas à cette question. The fuck is this? Alors, dans le cas présent, Arataki Ito possède la faculté non moins rare qu'intéressante de posséder des cornes. Ces cornes lui permettent d'éveiller chez les hommes d'un âge plutôt jeune une sensation très intéressante que l'on peut nommer chaleur. Dans le cas précis, cette chaleur se transmet dans vos cœurs. Et cela peut se traduire, combiné à ces abdos en acier, que l'on pourrait dire qu'Arataki Ito est hot. C'est QFD. Voilà. Merci d'être venu à mon TED Talk. N'hésitez pas à acheter mon livre, que je n'ai pas fait. Sinon. Ah, bonsoir mon cher Skilly77. J'espère que la latence n'est pas énorme. J'ai mis latence extrêmement faible normalement. Cela devrait être permettre une latence plutôt faible. À quoi ce qui n'est... Alors... Le fait est, Thibaut R, que cette vidéo est publique. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont aller voir et vont se dire « Qui est-ce qui lit ?» Naouoki, mais what the fuck. Par contre, c'est un honneur de rencontrer et d'avoir dans notre chat, dans notre stream, une personne aussi célèbre que Déo. Ah, ma voix résonne. Fuck. Essayons de changer quelques paramètres. Le son de ma voix est capté par mon micro. Oui, enfin, tu veux dire. Bah, j'ai un casque. Viens voir les filtres. Parce que j'ai mis une très bonne suppression de bruit. J'ai peut-être mis un gain un peu fort. Parce qu'en soi, j'ai le retour son. Mais pour ça, ça change pas autant. De toute façon, je m'entends juste une fois, je m'entends pas en boucle. Attends. Je vais ouvrir le stream dans une autre page. Pour vérifier. Faites pas attention à ce qui vient de se passer. Autre question. Notre cher Thibaut R a une question, mes chers amis. Une question difficile à la fois car Shima est un personnage auquel j'ai une attache tout à fait particulière. Ah, notre cher Déon a préféré le ship avec la mort, qui est un ship tout à fait respectable. Car lui au moins, il marche.
et sera éternel. Et sera éternel. Ah oui, d'accord, là ma voix elle boucle, vraiment. Bah, putain, oui, merci Ski, on voit une vraie question. Bah, je dis pas que les autres questions étaient mauvaises, mais en soi c'était à peu près pour ça que je faisais ça. Qu'est-ce que le CRISPR-Cas9, cher Skilly? Eh bien, si tu ne sais pas, je vais te dire déjà à quoi ça sert. Parce que le CRISPR-Cas9, ça sert extrêmement dans la thérapie génique. En soi, c'est une protéine. Protéine, tout le monde l'utilise. C'est une protéine d'origine bactérienne. Ça veut dire que ça vient d'une bactérie. Et on l'utilise pour couper des parties de gènes. Mais calmez-vous, les gens! Vos questions étaient tout à fait pertinentes! J'ai même pas encore répondu au Shima Charlot et Mayo Charlot, Mayo Ketchup, je sais plus. Non. Parce que moi je préfère Shima parce que Shima, je m'identifie plus à Shima qu'avec Mayo. Mais non, pas Mario. Ah putain, non. Ça veut tellement rien dire. Voilà. Et du coup, est-ce que, là concrètement, là j'ai coupé normalement tout son, j'ai baissé un peu le gain. Est-ce que le son est à peu près acceptable, où il y a toujours, apparemment, comme démon dit, ça boucle encore et encore à l'infini. Ça fait quoi? Écho, écho, écho. Ça boucle toujours. Sérieux? Est-ce que les autres aussi peuvent confirmer que ça boucle? Ça va pour moi. Yep, Thibaut R. Oui, pour ça boucle, oui, pour ça boucle pas. Ah, si Thibaut R, ça boucle. Testons, testons. Je vais mettre un casque dans un autre truc. Je reviens. Non, tout est bon. Mais qu'est-ce que t'as fait, Déon? Tu vas pas me dire que t'as un à la fois. Non, sérieux, c'est ça? Alors, si pour Thibaut R, c'est exactement la même chose, je. Ah, c'est. Bon, du coup, concrètement, sinon ça va mieux du coup. Sans le stream sur Discord. Parfait, parfait. Du coup, nous allons pouvoir commencer réellement ce petit stream. Il va falloir que je prévienne tout le monde. Toc, toc, toc. Qui va gagner le tournoi? C'est vrai qu'il n'est pas fini le tournoi! Oh là là, c'est Nintendo Gazelle si je me rappelle bien. Bon bah c'est Nintendo contre C. Quoi. Attends, non. Alors attends, oula non, qu'est-ce qui se passe? Attends, ah, ça prend Xavier. Le lapsus, Thibaut. Parce qu'il faut que je revoie. Où est-ce qu'il était? Parce que je l'ai sûrement dans mes favoris. Ah, nous avons dans notre chat une star. Mesdames et messieurs, veuillez bien applaudir au effort ruisselnatique de vos mains virtuelles, car nous avons avec nous une personne qui utilise sa voix afin de répandre la bonne humeur chez les humains. Bienvenue à vous, mon cher ruisselnatique. Nous avons aussi, comme je l'avais dit, notre cher Déon, qui, par une vidéo pour le parti chinois, a réussi à atteindre les 100 000 vues. Ce qui est un exploit.
parmi les exploits. Et nous devons saluer. Par contre, je sais plus c'était qui contre qui, mais on verra. Du coup, il faut que je prévienne ceux qui sont là. Puis après, on va vraiment commencer. Mais j'ai même pas pris en capture. Parce que du coup, pour vous prévenir, là, en fait, je vais commencer à parler de mes cours. Dans le sens, il me reste 2 semaines avant le résultat. Du coup, enfin, avant le résultat, avant les examens, du coup, je vais commencer à décortiquer mes cours avec d'autres personnes, à qui veut bien l'entendre. Parce que j'arrive pas à travailler tout seul. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Sinon, je suis ce genre de personne qui a besoin d'une autre personne avec qui travailler pour être fonctionnel, sinon c'est la merde. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je me suis dit, bah, je voulais faire ça depuis septembre, et maintenant on est en novembre. Voilà. Merci la flemme, merci tout, merci la condition humaine. On aime ça. On peut copier de bien. Tac, 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 tac. Tac. Si vous voulez, si vous vous faites chier un peu et que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, bien, vous pouvez rester. Concrètement, on va parler de maladies rares et génétiques. Comment les maladies rares se créent, se forment. La base de la base là-dessus, au fur et à mesure qu'on va étudier les cours. Alors, je reviens. Le temps de prévenir mes camarades de classe. T'as, par contre, t'as les données analytiques en... Comment dire, en temps réel, et c'est stressant quand tu vois ça monte, ça descend, au secours! Autre chose, bon, attends. Tac, 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 cristalline, si vous voulez réviser... Ensemble. Très bien, le lien est donné. Maintenant, commençons. One caméra allumée, face reveal. Alors, one caméra allumée, face reveal, c'est très simple, c'est lunatique. Quand j'aurai une caméra. Moi, j'ai pas de caméra pour le moment. Ni de webcam, ni rien du tout. Sinon, face reveal. Déjà, j'ai fait voice reveal, c'est déjà un énorme moment. Mais bon, je vais très vite commencer à faire le travail. J'arrive ce qu'il dit pour votre question, le temps que je cherche le CIM. Ok. Ok. Document. Courrel 3 médecine. Courrel 3 maladies rares. Vrai cours. Voilà. Paf. C'est parti. Nous allons pouvoir commencer des prises de notes. Normalement, si tout s'est bien passé, ça devrait mettre le Word. Ah yes, merci Rushinatique, bon appétit à vous. Merci bien pour ce... Pour la meilleure fin d'écran. Merci bien pour tout ce... Ce truc. C'est quand qu'on a un meilleur fond d'écran? Comment ça, un meilleur fond d'écran? Alors, par contre, les conditions de vie pour avoir une meilleure vie sur la planète Skilly, c'est un peu...
Large. Voire un peu trop même. On commence à avoir du monde, c'est parfait, on va pouvoir commencer très rapidement. Alors, vous comprendrez que je ne vais pas utiliser le PowerPoint directement du professeur, car droit d'auteur oblige, je n'ai pas le droit de le montrer sans son autorisation. Du coup, ce que je pense faire en premier, c'est simplement lire ensemble, parce que ceux qui ont le cours et ceux qui viennent ici avec le cours ont directement le PowerPoint et peuvent s'en aider. Ici, nous allons juste voir le cours ensemble, voir si des choses ont bien été comprises, s'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises, qu'on les revoie ensemble et qu'on s'entraide. Eh bien, bon courage à ceux qui restent. Non mais je parle à... Thibaut, je parle aux élèves, là. Parce que là, concrètement, je ramène aussi des copains... Non mais Minico... Je ramène des élèves. J'en prie. Eh bien, on va commencer dans les plus brefs délais. On va commencer par la maladie rare et génétique, ça, il faut que je le note. Merci, bon cours, Thibaut. Prise de notes. Maladie rare et génétique. CM1. Relisons-le ensemble. Très brièvement et très rapidement. C'est un peu comme du speed. Speed study. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons commencer le cours. Alors, la génétique et l'hérédité. Les caractères. Et donc, ce qu'il faut se ressouvenir, c'était surtout le fait que les caractères, les traits, ce sont des caractéristiques distinctes ou uniques, distinctives ou uniques, qui rendent un organisme différent des autres organismes. D'accord. Du coup, attends, est-ce que déjà ça bug? Non, ça va, ça bug pas. Tac. Caractère ou trait est égal distinct ou unique. Du coup, qui rend un organisme différent des autres organismes. On observe que certains caractères peuvent être transmis d'une génération à l'autre, c'est-à-dire des parents à la progéniture. Cette transmission concrètement s'appelle l'hérédité. Cette transmission des caractères, transmission de caractères égale hérédité. Si vous avez des questions au bout d'un moment, n'hésitez surtout pas. Et cette hérédité elle-même, concrètement, ah non, et les caractères transmis sont dits héréditaires. Bon, jusque-là, en soi, c'est pas si dur. Ouais, désolé si c'était un peu plus lent. On arrive, on essaie de se mettre dans le bain. Transmis est égal hérédité. On entre dans le gros morceau. Vous faites à quelle heure les séances de révision SCP? Il y en a pendant la journée. Eh bien, en soi, cela peut être décidé bien avant. Merci, personne. Cela peut être décidé bien avant, dans le sens où on peut faire une sorte de sondage et voir à quels horaires le plus de monde cela arrangerait. Si on doit le faire vers 20h, 19h, 19h, 21h, même s'il y a des gens qui travaillent et qui rentrent très tard. Après, ce sera un stream, hein. Dans tous les cas, ce sera public, et les séances de révision seront accessibles en libre service sur la chaîne. Il n'y aura aucun problème sur ça. Mais si des fois il y a le temps, s'il n'y a pas cours en soi, il sera tout à fait possible, par exemple pendant les week-ends, d'en faire
je sais pas moi, après manger, à 14h, ce genre de choses. Tout ça peut être fait en sondage. Parce que si vous venez du groupe, si vous venez du groupe, justement, il y a tout à fait possible. C'est un peu comme ça, c'est monsieur, 720p. C'est pas grave, c'est 720p. Iversam, c'est pas grave, je vous en prie. Il est littéralement un Word, je suis pas en train de streamer Elden Ring. Oh. Bon, continuons. Qu'est-ce que la génétique? C'est intéressant. Du coup, la génétique, si on va l'écrire, c'est une branche de la biologie. Ok, donc ça fait partie de la biologie. Génétique. Génétique égale branche de la biologie qui s'intéresse à l'étude de l'hérédité des caractères et des variations qu'il entraîne. Ouais, bon, ça attend. Est-ce que je peux pas littéralement copier? Ah, je peux pas copier-coller. Détecter, j'ai des problèmes. Ce serait comme copie. Une minute. C'est le DLC. Mais qu'est-ce que tu racontes? Excusez-moi. Voilà. Maintenant, on va prendre directement la génétique est une branche de la biologie qui s'intéresse à l'étude de l'hérédité des caractères et des variations qu'ils entraînent. Du coup, la génétique considère la transmission de l'information à plusieurs niveaux. Ça commence par le niveau moléculaire et ça s'élargit en passant par les cellules, les tissus, les organes, les individus, les familles et enfin dans les populations et l'évolution des espèces. Donc on fait littéralement un dézoom. D'abord on étudie au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se transmet au niveau moléculaire, puis après on va voir qu'est-ce qui se transmet aux cellules, qu'est-ce qui se transmet aux tissus, aux organes, aux individus, qu'est-ce qui se transmet carrément dans les populations toutes entières. Ok, donc un véritable dézoom. Il faut que j'arrive à avoir le chat en même temps. Sinon ça peut très vite être compliqué. Chat, voilà. Là, j'y ai accès. Hop. Éthique. Mission à plusieurs niveaux. Hop. Molécules, cellules, tissus, organes, etc., etc. L'étude de la génétique nous permet de mieux comprendre comment nous pouvons déterminer l'héritage de certains traits et les modèles impliqués dans leur héritage, alors comment ça se transmet. Tout ça, pour l'instant, c'est sympa. Elle comprend l'étude des gènes. Donc, génétique, c'est surtout, et l'étude des gènes. Avec la faute. De leur fonctionnement, leur interaction et de la production des caractéristiques que nous observons chez les individus. Donc c'est l'étude des gènes, comment ça fonctionne, comment ça interagit avec tout le reste, et comment ça se produit, et comment ça produit les caractéristiques que nous observons chez tout le monde, chez les individus, les populations d'espèces, lorsqu'ils évoluent d'une génération à une autre au fil du temps, et dans différents environnements. Fonctionnement, interaction, tac tac. Parce qu'elles évoluent. Hop, on va prendre ça et on va le mettre là. Quatrième slide, bon, on est à 36 slides. Ouais, on va peut-être essayer de speed up parce qu'on est... Un slide par 5 minutes, on y est encore pour demain. La sélection des caractères héréditaires a commencé tôt dans l'histoire humaine. C'est vrai que concrètement,
Depuis des siècles, les gens savent que certaines caractéristiques physiques sont transmises d'une génération à l'autre. Grâce à ces notions, ils ont appris à produire des plantes et du bétail présentant les caractéristiques citées. C'est ce qu'on a fait par exemple avec pas mal de plantes, de fleurs, C'est pas les OGM par exemple qu'on a fait maintenant. On dit, ah, c'est pourquoi maintenant la tomate ressemble à ça? C'est pas parce qu'on l'a modifiée génétiquement maintenant en tant qu'OGM, c'est parce que sur des milliers d'années, concrètement, on a fait des tomates. Au fur et à mesure, on a pris les meilleures tomates, les plus belles, on a pris les caractéristiques qu'on aimait, tout ça, encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'on obtienne la tomate qu'on a aujourd'hui. Sélection. Du coup, il faut que je le note. Tac, tac, tac. Commencer très tôt. Si vous avez le PowerPoint, vous pouvez voir la petite gravure en Chaldée, en Babylonie, datant d'au moins 6000 ans. C'est-à-dire, ça date d'au moins 6000 ans, la sélection naturelle. L'humain a la connaissance de la transmission des gènes depuis 6000 ans. C'est incroyable quand on y pense. Montre des pédigrés documentant la transmission de certaines caractéristiques de la crinière de cheval. C'est ainsi, hop, tu prends deux chevaux, tu veux la telle crinière, tu dis, ok, bah je prends ce cheval. Hop, on les met ensemble, on obtient la belle crinière qu'on veut. Parlons de Mendel, ça c'est intéressant. Attends, non, j'ai oublié de noter pour les trucs. Sélection. Plante. Et du bétail aussi. Plante. Et de bétail. Sélection des caractéristiques. Si vous avez quoi que ce soit concrètement des questions, n'hésitez surtout pas. Car justement, c'est surtout pour ça ce stream, c'est plus pour voir cette interaction entre les élèves dynamique, entre tout le monde, pour que tout le monde puisse évoquer son opinion, demander de l'aide, faire des choses, excuse-moi, j'ai pas compris ça, excuse-moi, je me souviens plus comment on calcule ça, parce que qu'on va attaquer les calculs de consanguinité, là on va s'ambiancer. Là ça va être marrant. Du coup, Mendel. Mendel est la naissance de la génétique moderne. Alors, Johann Gregor Mendel, si vous êtes vraiment intéressé par le nom, publie en 1865 ses recherches sur des hybrides végétaux dans les comptes rendus des travaux de la Société d'histoire naturelle de Bruno. Bon, c'est pas le super important, mais c'est sympa de garder la date. Mendel réalisa une série d'expériences d'hybridation de variétés de pois portant sur sept caractères différents. Ok, donc vous avez sûrement l'image avec toutes les fleurs. Concrètement, Mendel va se concentrer sur des caractères discrets, les caractères discrets, et bien définis, plutôt que de mesurer des propriétés continuellement variables, comme la taille ou le poids. Ça va être très important, les caractères discrets et les caractères mendéliens. Déjà, on sait que les caractères discrets n'égalent absolument pas les caractères mendéliens, ce n'est absolument pas la même chose. Ah, je me trompe sur les trucs. C'est pas le bon chemin, pas le bon truc. Voilà. Hop. Comme exemple pour le caractère mendélien qui n'est pas précis, la taille ou poids. C'est-à-dire très variable. Ce n'est pas quelque chose d'aussi précis comme par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux. La couleur des yeux, concrètement, à part peut-être chirurgie, encore je sais pas si c'est possible, normalement, on a la même couleur des yeux toute la vie, à peu près. Bon, la couleur des cheveux, c'est une décoloration, mais on met juste la couleur des yeux. On va attaquer les trois lois d'héritage proposées par Mendel. Ça va être aussi quelque chose d'important. Les trois lois d'héritage comprennent la loi de dominance, la loi de ségrégation et la loi de l'assortiment indépendant. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça va être intéressant de voir. On va le noter. Lui, est-ce qu'il prend toujours? Quand on essaie de voir, est-ce que au moins ça se voit? Ok, ça a l'air de se voir à peu près bien sur le Word. C'est tout ce qui compte. Paf, paf, paf. J'ai perdu le texte.
Ok. La loi de dominance. Il écrit que c'est la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Qu'est-ce que ça voudrait dire, à votre avis? Est-ce que tout le monde a bien compris qu'est-ce que c'était que la loi de dominance? J'attends 2 minutes. Parce que si on utilise une définition utilisée directement sur Internet, la loi d'uniformité des hybrides de première génération, c'est si on prend l'exemple, si l'on croise deux individus d'une même espèce homozygote, relativement à un caractère, tous les descendants de la première génération, qui sont appelés hybrides F1, sont identiquement relativement à ce caractère. C'est-à-dire tous hétérozygotes. Ah non, j'ai ma seconde et qu'on en a plutôt. Ok. Est-ce que ça fait sens? C'est-à-dire si par exemple on prend, on va dire, une fleur au pétale blanc. Homozygote, c'est-à-dire les deux allèles c'est blanc, ça code pour le blanc, et une fleur au pétale rouge, homozygote, c'est les mêmes espèces, elles sont toutes les deux homozygotes, c'est-à-dire la fleur au pétale rouge, c'est deux allèles homozygotes, deux allèles pour coder rouge, et la fleur au pétale blanc, c'est les deux allèles sont homozygotes pour coder la couleur blanche. On les croise, on fait des hybrides, et la première génération, obligatoirement, seront tous hétérozygotes. Attendez. Je trouvais une belle image là sur le net. Oula. Tac, tac, c'est le pas bonne, mets-toi bien, toi. Voilà. Que vous la voyez bien. On voit bien l'exemple avec les pétales blancs, les pétales rouges. Et quand on les croise, on essaye de les croiser concrètement avec chaque enfant, tout le monde, tous les descendants seront hétérozygotes. C'est la première loi. La loi de ségrégation. Ok, là, ça a l'air plus compliqué. Là, la loi de ségrégation, mais moi, ça devient plus compliqué. La loi de disjonction des allèles. La loi de disjonction des allèles. Parce que si j'en croise une autre définition, lorsqu'on croise entre deux des individus de génération F1, on obtient une génération F2. Enfin, ça fait sens. Dans lequel on trouve les deux versions de la couleur des fleurs dans des proportions bien définies. C'est-à-dire trois descendants à fleurs rouges. Et un descendant à fleur blanche. D'accord, cette loi est dite de ségrégation des caractères. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on croise les deux individus de la génération F1, on aura des proportions. Et ça rentre bien avec l'image qu'on a chopée pour la troisième étape. Non, si je peux zoomer. Est-ce que je peux zoomer au moins? Oh, je peux zoomer l'image. Pas un problème. Juste le temps. C'est que là, il y a les deux. Est-ce que je peux pointer? Enfin, on a la deuxième génération qui sont tous hétérozygotes. On en croise deux. Hop. Il y en aura un avec homozygote. Il sera rouge. Et ce sera une fleur rouge. Il y en aura deux. Avec hétérozygote, avec un allèle pour le pétale rouge, un allèle pour les pétales blancs. Bon, l'allèle rouge est dominant du coup, il sera rouge. Et un descendant totalement blanc homozygote, parce qu'il aura les deux allèles blancs. C'est la définition. Du coup, c'est ça. Ok, c'est ça la ségrégation. En gros, c'est. Imaginons qu'il y a deux allèles. L'allèle A, l'allèle B. Première génération, hop. Deuxième génération, tous hétérozygotes, ils ont tous A, B comme allèle. Troisième génération, il y aura forcément A, 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 B, A, B et B, B. Il n'y aura pas autre chose.
La troisième loi, par contre. La troisième loi, c'est la loi. Si vous n'avez pas compris encore, il n'y a aucun souci, posez des questions. On est là pour ça. Hein. La loi de l'assortiment indépendant, la loi de l'indépendance de la transmission des caractères. Qu'est-ce que ça voudrait dire? La loi, l'indépendance de la transmission des caractères. Cette règle ne s'applique que si les gènes responsables des caractéristiques se situent sur différents chromosomes ou s'ils sont éloignés sur le même chromosome. C'est le partage d'allèles dans des gamètes différents. En faisant abstraction du second caractère, on retrouve pour le premier caractère la distribution de la troisième génération. Du coup, l'indépendance de la transmission des caractères. Si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que même pour moi, c'est un peu flou. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Parce que tant qu'on comprend pas, ça marchera pas. Bon, déjà, on sait que la règle n'est à prendre en compte si les gènes responsables des caractéristiques se situent sur différents chromosomes ou s'ils sont éloignés sur le même chromosome. Déjà, ça la rend assez rare à rencontrer. Je le mette. Mince. Comment faire un saut de page? Mise en page, tac, tac, saut de page, merci. Mon Dieu. Merci. Ok, hop. Troisième loi. Cette règle ne s'applique que si les gènes. Des caractéristiques se situent sur différents chromosomes. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Partage d'allèles dans des gamètes différentes. Ouh, là, c'est chaud. En faisant abstraction du second caractère, on retrouve pour le premier caractère la distribution. Oh, pour le moment, je vois pas ce que ça fait, la loi d'assortiment. Précisément, je vois pas ce que ça fait. Parce qu'il y a une petite. Toujours, j'ai trouvé une petite image, mais en quoi ça répondra à notre question? Est-ce que vous la voyez au moins? Vous la voyez, c'est parfait. J'espère juste que le chat s'est pas fait, n'a pas freeze entre-temps. Attends, je vais voir. Excusez-moi du temps. Non, le chat a l'air tout à fait utilisable à utiliser. D'accord, la loi de l'assortiment, par contre, vraiment, qu'est-ce que c'est? Laissons le passer pour le moment. Regardons la suite plus tard. Vas là, toi. Excusez-moi. Il est 21h41. Je propose de faire une petite pause en attendant. Car je dois aussi vaguer à des occupations différentes. Où je reviendrai. Pour le moment, c'est un bon début. Nous avons commencé. Ce n'est pas très efficace pour le moment, car on a fait que quelques diapositives. Mais je pense que la prochaine étape serait de, pour moi concrètement, de regarder les diapositives à l'avance et de préparer peut-être des petites prises de notes en avance. Comme ça, au moins, on n'essaye pas trop de bloquer, parce que là, justement, sur la troisième loi, on est encore un peu bloqué. Je ne sais pas encore précisément ce que c'est. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise, et c'est ce que j'essaie d'atteindre en fait avec ces vidéos, c'est qu'on soit à l'aise avec tout le programme. Oui, il reste 2 semaines, mais qu'on soit à l'aise.
Du coup, je propose de faire une petite pause. On reprendra peut-être demain, peut-être ce soir, je verrai. Si le temps m'est accordé. Et en tout cas, je vous souhaite peut-être bon appétit, peut-être une bonne nuit. Et dans tous les cas, de bonnes révisions et un bon repos. Au revoir à vous.